Bah c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon. Je suis pas sûre. C'est bon. Ah ouais, non plus je sais pas. Ouais. C'est pas. Tu mets le générique. Il y a pas de générique. C'est nul. C'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un énorme haul action. Alors on devait y aller juste pour des décorations pour la nouvelle cuisine. On devait y aller toutes les deux. Et en fait on est allé à trois parce que mon mari a voulu venir avec nous. Et en fait on est tous partis un peu dans un sens. Et en fait on a tout ramené dans le caddie. On a pris un caddie. On a fait l'erreur de prendre un caddie. Et on a blindé le caddie. Donc on en a eu pour 130 euros presque. 128 euros pour voilà. Être précise. C'est, et quelques. Voilà. Et du coup, ben, c'est pas prévu autant. Mais on a trouvé quand même des petites pépites. Hein. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Comme d'habitude, je vous mets les prix au fur et à mesure. Je suis avec Isalis parce qu'elle voulait absolument faire ce haul avec moi. Et même du pas, coup, mais... même pas, elle aime pas YouTube. Non, je déteste ça. Ah ouais, non. Et je la force. D'ailleurs, au revoir. Et je l'ai tapé avant de venir. Je oui, la force. Bah, elle m'a étranglée même. Ah ouais, voilà, carrément. Bon, on va vous montrer les pièces les plus importantes d'abord. Et puis après, on piochera dans les sacs au fur et à mesure. Alors, mon mari a pris ça. Ne demandez pas à quoi ça sert. Bah, c'est un caisson de rangement pour ses outils, je suppose. En plastique. Je sais pas. Voilà, donc. Stackable Toolbox. Voilà, avec 7 diviseurs. Pour pouvoir diviser. Un diviseur pour pouvoir multiplier, tiens. Il manque un truc là, non? Quoi qu'il manque un truc? Oui, c'est fait qu'il y a. Oh, pour lui. Pas moi qui choisis. Allez, bon. Attends. Ensuite, comme on allait pour de la déco pour la future cuisine, j'ai pris ça. Je vais essayer de trouver un pot de lierre ou quelque chose comme ça pour mettre mettre une plante dedans qui tombe un petit peu et mettre ça dans le coin de la cuisine. Donc il y aura la gamelle de Naya dans le coin et ça qui va apporter un petit peu de verdure parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de déco dans la cuisine. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et dernière grosse chose. Pour moi. Vas-y toi. Pour mon tutu. C'est un coussin molletonné, un petit coussin pour chien. Alors il y en avait sans la moumoute. Nous on a pris avec la moumoute, ouais. Et il y avait rose. Il y avait rose et gris. En tout cas dans notre action il y avait rose et gris. Du coup on a pris gris parce que bah, le sien est rose. Et puis on voulait changer, on voulait que ça fasse un peu moins cucu. On continue pour le chien. On lui a trouvé ça. Alors je la trouve super mignonne. Alors il faut savoir que Naya a une gamelle en métal actuellement. Et que en fait ouais ça fait du bruit. Donc du coup on a trouvé ça. Et je trouve ça hyper sympa. Vous voyez il y a des reliefs dessus. C'est tout en plastique donc ça se nettoie hyper facilement. Vous avez les gamelles que vous pouvez enlever comme ça du support. Et voilà. Donc je trouvais ça super sympa pour mettre dans la cuisine. Pour faire un peu moins dégoûtant quoi. Enfin ça fait propre. Voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ça fait moins gling-gling surtout. Voilà, ça fait moins gling-gling surtout. Ah, oh, t'as pris des masques? Ouais. Oh, il y en a 4, non? J'ai pris 5 poches de masques comme ça, qui étaient à 90 centimes, je crois. Donc, c'est pas très très cher. Et en plus, ceux-là, Isalis les aime bien parce qu'ils sont moins irritants. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont plus doux à l'intérieur. C'est Lidl qui irrite. C'est chez Lidl, j'en ai pris et gratte à l'intérieur. Donc, du coup, on a pris ceux-là pour en fait refaire un petit peu le stock et parce qu'ils sont plus doux. À moi? Ça, c'est mon mari qui a pris. Donc, ça, c'est pour nettoyer sa voiture. C'est un spray qui enlève les insectes. Un insect remover. Voilà, c'est marqué là. Donc, bon, je sais pas si ça fonctionne. En tout cas, c'est marqué Quick and Shiny Result. Quick and Shiny. Quick, c'est le restaurant. Et Shiny, c'est le soleil. Donc, Quick, c'est rapide. Et Shiny, c'est brillant. Oui, voilà, brillant. Voilà. Donc, Easy Removal of Insect Stains. Stains. À toi. La bouffe. C'est pour qui? Moi. Bah non, c'est pour Milan, il aime bien les oreilles. Oh, double, pour moi aussi. Double. Oh, j'aime pas les doubles. Ah, voilà, donc c'est pour mais Milan. Mais c'est pour moi quand même, parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Bip. Ensuite, on a craqué pour ça, j'enverrai ça à ma filleule, parce que, ben, pour faire suer ses parents. Pour qu'ils savent la honte quand elle voit dans les supermarchés. Charlène, si tu passes par là. Du coup, voilà, donc un petit serre-tête qu'on va mettre avec le pop-it que je lui ai trouvé sur Shein. Du coup, ça lui fera un petit colis, enfin, une petite enveloppe avec des petits cadeaux dedans. D'ailleurs, pour les enfants, ceux qui ont des enfants en bas âge, vous avez tout un rayon Peppa Pig avec des jeux Peppa Pig, des figurines Peppa Pig. La pâte à modeler. La pâte à modeler aussi, et la pâte à modeler Play-Doh aussi. Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui cherchent, pour les petites filles, il y a Peppa Pig, vous remarquez, pour les petits garçons aussi. Ça peut intéresser. Il n'y a pas de patrouille aussi, j'ai vu. Il n'y a pas de patrouille aussi. Ouais. Donc, il y a franchement en ce moment, il y a des marques, ça peut être vachement intéressant pour les enfants en préparatif de la liste du Père Noël.
À toi. Pas bien ta poucave, c'est des gens de 3 ans qui regardent. Oh, la liste du Père Noël. J'ai rien poucave. Mais c'est bien que c'est moi qui viens de poucave en fait. C'est ça. Ça, ça j'ai repris parce que ça m'a sauvé plusieurs fois des vêtements. Si vous cherchez quelque chose qui va enlever en fait, si vous avez décoloré un t-shirt blanc par exemple et vous avez mis avec de la couleur, ça, ça peut vous sauver la vie. Vous rattrapez le blanc ou des blancs ternis, c'est vachement bien. Donc j'en ai repris 2 paquets. Enfin, j'en reprendrai tout le temps parce que je les trouve géniaux. C'est la loin. Voilà. C'est pour 2 mois, mais c'est pas grave. Ah non, mais ils mettaient déjà les décorations de Noël quand même. Oui, Noël. Oui. Un truc hallucinant. Donc là, c'est pour Halloween. Déjà, je trouvais que c'était tôt. Mais alors, Noël, c'est quand même. Voilà. C'est un concept. C'est ça, c'est un concept. Donc du coup, ici, il y avait des bonbons pour Halloween. Sachant que ce sera pas du tout pour Halloween, hein, on est clair. Que ça va être mangé d'ici 2 semaines, il y aura plus rien. Donc voilà. C'est juste pour goûter. C'est un mix entre des fruits Tella et des tout ce qui est loukoulouk et choupa choup. Voilà. J'avais déjà pris ça, c'est bon. On est sur un mix ici de fruits secs, donc avec des mangues, de la noix de coco, des noix, des pistaches aussi, enfin bon ouais, des amandes. Et ça c'est très très bon. Moi j'avais trouvé ça vachement bien, ça changeait un petit peu. Au niveau du goût, ils sont bons. Ensuite, à moi. Ça, c'est mon mari qui a pris. Ce sont des patchs pour les muscles, les patchs musculaires. C'est chauffant, apparemment. Donc, écoutez, à tester. Ça, c'est vrai que nous, on a souvent mal au dos. J'étais encore chez l'ostéo hier pour vous dire. Donc, mon mari et moi, on a souvent mal au dos. Et c'est vrai que les patchs chauffants, ça soulage vachement, ça fait du bien. Ou même pour un torticolis, en fait, ça détend les muscles et ça aide à ce que ça passe plus vite. Donc, je savais pas qu'il faisait des patchs chauffants comme ça fin chez Action. Donc, il y en a 2 à l'intérieur. À tester. Ah, c'est à moi, au Doobie. Bon, pour ceux qui vous demandez pourquoi on l'appelle Doobie, c'est mon mari. On appelle notre chien Doobie parce que on l'appelle Toutou. Tout, c'est double tout, Toutou. Et Doobie, c'est la contracture de double, donc Doobie. Ça va loin, hein? Je sais même pas pourquoi. Tu savais même pas pourquoi il l'appelait? Bah, c'est parce que c'est Toutou, donc ouais. Double tout. Ouais. Et Doobie. Ah ouais. Voilà. Donc, pour le chien, on a pris donc cela. Vous avez l'habitude. Ce sont les os, les kebab sticks qu'on lui donne tous les matins pour le petit déjeuner. Comme d'habitude, donc 2 paquets. La dernière fois que j'y suis allée, ils étaient en promo, mais pas là. Donc, je crois que c'est 1,79€ ou 1,69€, quelque chose comme ça. Ensuite, pour vous faire un concours sur Instagram, je vous ai pris 2 palettes comme ça. Donc, les palettes Fab Factory, la New Sun Vibes. Donc je l'ai pas encore testé, je vous ferai une vidéo et je vous ferai un concours sur Instagram pour en gagner une. Et l'autre, je sais pas si je vais pas utiliser celle-ci pour le concours flash que je voulais faire pour le prix de la... Ah oui. Tu vois. Donc voilà, donc c'est pour vous faire des concours. À toi, Alice. Bon, ça, vous avez l'habitude, les cranberry nuts, ce sont un mélange de noix et de cranberry. Donc, vous avez à l'intérieur des amandes, du raisin sec, des canneberges, des noisettes, et voilà, des amandes, etc., etc. Donc ça, à grignoter le soir, c'est un peu plus sain que manger des chips ou des choses. On est d'accord? Ouais. Ensuite, j'ai refait le plein d'oignons frits. Pourquoi les oignons frits? Parce qu'on en met dans nos burgers et je trouve que ça apporte un goût qui est sympa dans les hamburgers. Donc du coup, moi, je mets ça dans un bocal et on en rajoute un petit peu partout. Alors, on peut en mettre aussi, ils disent, dans la soupe, non. Dans les salades, dans les hot dogs, avec le poisson, sur les pizzas. Enfin bon, on peut en mettre un peu partout. À tester. En tout cas, moi, j'aime bien. Milan aussi, il aime bien. Oui, un panier pour mettre dans la chambre d'Isalis parce que c'est totalement le style de sa chambre. Ouais. Donc ça sera pour mettre ses affaires sales, comme ça elle aura pas besoin de faire 3 mètres pour aller dans la salle de bain. Parce que c'est tellement dur de marcher jusqu'à la salle de bain. Ouais, c'est épuisant. Tu es épuisé. Hein? Il a pris au final. Ouais, il a pris. Voilà, donc un panier comme ça, ils sont jolis. Il y en avait plusieurs dans notre action et ils sont vraiment jolis. Hein, tu l'utiliseras? Oui, il y avait des grands, des moyens, des petits. Ah, ben voilà, je l'avais même pas vu. À oui. Moi oui. Des pots de confiture, tout simplement, pour faire de la confiture maison. Donc il y en a 2. Donc comme on a ramassé des murs dans l'allée et qu'on a ramassé des framboises à la cueillette, je pense que je vais faire de la confiture de mur et de la confiture de framboise. Donc ça me permettra d'avoir justement des bocaux pour pouvoir les faire maison et puis de réutiliser pour l'année prochaine. Des gâteaux fourrés goût amande. Voilà, donc ça c'est mon mari qui a pris. Parce qu'il aime bien la frangipane, papa, je crois, en ce moment. Je sais pas ce qu'il a avec la frangipane. Hein? Il est bizarre, hein? Oui.
Donc des masques encore, donc ça je les mets de côté. Et bon. Des masques... Ah oui, je crois des masques... Voilà, donc un rouleau de scotch pour faire les colis, pour renvoyer les choses, etc., etc. J'en avais plus, je trouve plus mon rouleau de scotch, je crois qu'on l'avait terminé. Et la dernière fois que j'avais été chez Action, il n'y avait plus rien. Mais vraiment, ils étaient en rupture de scotch et là c'était blindé. Mais en même temps, on a été à celui de Biganos et je trouve que celui de Biganos, il est mieux achalandé que celui de la Teste. Attends ma biche, j'ai chaud avec les éclairages, j'ai mouru. Des slips pour mon mari, voilà. Donc à voir, il a pris taille L. Enfin des shorts, enfin des boxers en coton stretch, voilà. Donc avec un élastique très discret. À moi, j'ai pris ça pour mettre dans le frigo parce que donc comme vous l'avez vu sur Instagram, nous avons changé toute notre cuisine. D'ailleurs, j'ai fait un vlog sur la nouvelle cuisine aussi et il y en aura plusieurs. Donc on a changé la cuisine, mais j'ai pour faire des économies, on n'a pas pris beaucoup de meubles avec tiroirs. Du coup, pour le rangement, non, ça c'est pour le frigo. Oui, c'est pour... Ça c'est pour le frigo. Donc pour mettre en fait tout ce qui voilà dans le frigo. On a changé de frigo, donc on adapte un petit peu ça. Et pour les autres rangements, je vous montrerai après. Mais on a essentiellement pris des trucs pour ranger dans la nouvelle cuisine pour adapter un petit peu notre alimentation dans le frigo et dans les placards. Des chaussettes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac pour que ce soit cracra comme ça? Des chaussettes Kappa pour mon mari, donc des grosses chaussettes, ça sera pour l'automne-hiver. Et des petites soquettes Lotto comme ça, noires, donc, puisqu'ils sont plus maintenant pour cette saison. Donc pour le travail, il a pris toutes ces chaussettes-là. C'est à moi? C'est à toi. J'ai pris des sachets de congélation comme ça, mais qui se referment, pas en zip, mais vous voyez, qui se referment comme ça, parce que moi j'aime pas les sachets de congélation avec le petit bitonio en ferraille qu'on tourne autour, ça me gonfle. Je trouve que c'est pas assez étanche. Je trouve qu'en plus ils sont en général pas de bonne qualité, et ceux-là ils ont l'air pas mal, donc on va tester ça, et c'est les mini, mais il y en avait apparemment d'autres plus grands, enfin en tout cas moi j'ai pris ceux-là. Attends, la biche, encore des masques. Ah ça, ça m'a intriguée, je pense que ça doit être bon. Ce sont des mini bouchées à la noix de coco et au chocolat au lait avec des fibres à l'intérieur. Donc en fait ce sont des crunchy and tasty bites. Donc qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent des barres de céréales, noix de coco, chocolat au lait avec des flocons d'avoine. Donc c'est pour ça qu'il y a des fibres. Donc à tester, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Et on a pris un deuxième goût. Et du coup ils existaient à la fraise aussi. Donc là pareil je pense des barres de céréales aux fruits, des bois et saveur chocolat blanc avec des flocons d'avoine et du riz. Voilà. Donc, on testera ça, on vous en dira des nouvelles. À moi. On a pris avec Isalis ça, ce sont des masques peel-off, donc il existait plusieurs couleurs, il y avait le déstress et il y avait le relax. Le déstress il était rose fluo et le relax il est orange fluo, donc ce sont des masques peel-off qui apparemment sont là pour déstresser. C'est une horreur pour lire derrière. Masque facial peel-off néon, purifie en profondeur, exfolie votre peau, relaxant. Pour peau normale, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. J'ai peur. Voilà. À toi. Ou à moi. À toi. Ça va bien. Non. J'ai chaud, faut se dépêcher, je vais mourir. Un soutien-gorge sans armature, j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait. Il y avait plusieurs couleurs, donc il y avait noir, il y avait rose pâle, il y avait rose foncé, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris taille M. Comme je vous l'ai dit, je cherche des fois à mettre des soutiens-gorge mais sans armature, ça dépend des périodes du mois. Voilà, je supporte toutes les armatures, donc du coup je me suis dit que peut-être ça, ça pourrait faire l'affaire. Donc pareil, je vous en ferai un retour. À toi. À moi. À toi. Il me reste tout mon chose, ma biche. On a pris des verres trempés pour mettre sur les façades des téléphones. Donc un pour mon mari et un pour Isalis. Donc Isalis c'est l'iPhone et mon mari c'est le Samsung. Donc ils étaient à l'entrée. Je sais pas s'ils étaient en promo. Mais voilà. Donc à voir ce que ça donne. C'est apparemment shockproof. C'est anti-choc. Ah ouais. Je n'arrête pas de renifler, c'est très agréable. What is this? Ah, c'est pour papa. C'est des lames de scie sauteuse, je crois. C'est pas ça qu'on dit? Lames scie sauteuse. Pour le métal, le PVC et le bois, et il y a 10 pièces. Non, lame pour quoi? Pour sauteuse. Pour scie sauteuse. Tu sais plus lire? J'avais pas vu scie. Ah. Tu sais plus lire. Oh! Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme j'ai pas de tiroir dans certains meubles de ma cuisine, je me suis acheté ça pour faire du rangement. Donc du coup, c'était marqué d'ailleurs dessus, et à l'intérieur, il faisait des suggestions de rangement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, c'est pour moi. Ils existaient en blanc, en noir et en gris. J'ai pris en noir. Et j'en ai pris deux. Et s'ils sont bien, j'irai en acheter d'autres. Voilà, tout simplement. À moi! À toi! À moi! Un deuxième. Un deuxième comme ça. Il
C'est bon du Toblerone? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est un peu trop bon. Ils existaient en plusieurs tailles, donc vous aviez les très grands, vous aviez les barres comme ça, et vous aviez en bouchée. Je me suis dit en bouchée, c'est peut-être mieux, parce que quand on commence à casser la grande barre, on a du mal à s'arrêter. Tandis que quand on fait les petites bouchées comme ça, je pense que c'est plus facile de s'arrêter. À toi, Michette. Il n'y a plus rien dans mon sac. Ah, bah c'est à moi, du coup, je suis à la fin. Tu veux pas mettre le sac sur tes joues? Non. Isalis a pris ça en douce, parce que... C'est bon. Voilà, parce que c'est une rebelle. Donc encore pour Halloween. D'ailleurs, du pollen dans l'air parce que j'arrête pas de tchoumer. Des rasoirs, bah pour se raser. Hein. Non, c'est vrai. Très... Pour couper les légumes. Des... Ce sont des gilettes et il y en a 3 à l'intérieur et ils sont jetables. Ça, c'est pour papa. Il a pris un USB-C. Un câble pour recharger le portable de mon mari parce qu'il trouvait que le sien... était trop court. Alors par contre, je sais pas si ça sera compatible avec son chargeur rapide. Ah, c'est son problème, celui qu'il a pris, je ne sais pas. Exactement. Bon, cela vous avez l'habitude, les Airchairs. Airchairs. Voilà. Okay. J'appelais ça les Hervé, je sais pas pourquoi. Hervé, ah ouais. Arvez. Non, je disais Arvez. Ça n'a rien à voir. Airchairs. Je disais les Arvez. Ah ouais. 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 On était là. Voilà, donc ça c'est très très bon avec un petit café là, ça passe tout seul. Ça, j'avais acheté ça la dernière fois et c'est très très bon. C'est un petit goût de maïs grillé qui est très très agréable avec un côté crème à l'oignon, enfin aux fines herbes, qui est très très bon. Ah, papa s'est pris un, je l'avais pas vu ça. Papa s'est pris un déodorant, c'est passionnant. Hein. Je sais pas comment il sent. Voilà, mais ça sent bon quoi. Un gros paquet de Mawam pour Halloween. Là, à l'intérieur, il y a du sweet et il y a du salt. Ouais. C'est quoi salt? Ça veut dire que ça pique. Ouais, c'est acide. Ouais. Donc, vous avez plein de choses à l'intérieur. Nous, on aime beaucoup les Mawam. Donc on a craqué. C'est toi qui présente. C'est parce que c'est le dernier. Tu fais ta youtubeuse beauté. Non. Voilà. C'est un masque tissu à poser donc sur le visage qui est rafraîchissant et qui est au fruit, donc qui est à la pastèque. Et du coup voilà, donc ça fait quoi en fait? C'est hydratant, ça ramène ta peau à la vie. Oui. Pêche et pastèque, des extraits de pastèque et ça te donne du glow. Et du healthy, du radiant, de l'éclat quoi. De l'éclat, de l'éclat. Tu brilles et tu fais healthy. Ils en font pas de caisse quoi. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ça fait pas du tout le truc miraculeux qui va rien faire en fait. Pas du tout. J'espère que ça sent bon. Au moins que ça sent bon. Ouais. Au moins. On va trouver plein de boutons le lendemain. Alors c'est fini. On verra. Donc voilà pour ce haul action. Vous voyez, il y a plein de nouveautés. Là, cette fois-ci, c'est vraiment pas les trucs que j'ai l'habitude de prendre. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez trouvé dernièrement chez Action et qui vous a bluffé ou qui vous a plu ou qui vous a déçu même en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça. Et du coup, voilà. Voilà. Je sais plus quoi. Et du coup, voilà, au revoir. Je peux rien dire. Mais non! Assieds-toi! Pourquoi c'est pas possible? Isalis, tu t'es fait mal? Non! Voilà, elle pleure, mais on va croire que je l'ai tapée en plus. On n'est pas sortis de l'auberge, hein, je vous le dis. Tu peux t'asseoir? Vous êtes prêts? Parce que autrement, ça va durer 3 ans. C'est bon? Respire. C'est bon? Mon éclairage! Oh, Isalis! Bon, c'est bon? Non. Oh. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste ici. N'hésitez pas, si vous voulez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, à cliquer sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou un petit dislike. Clairement, voilà, vous avez le droit. Et nous, on se retrouve donc tous les mardis à 18h et tous les vendredis à 19h pour une nouvelle vidéo. On vous fait des gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous.